Bleu comme le ciel est cette semaine et dans le cadre de la semaine bleue, semaine dédiée aux seniors, le Centre communal d'action sociale de Petit-Bourg organisait une conférence débat sur la dépression chez les personnes âgées. C'était important pour moi de pouvoir sensibiliser les gens puisqu'ils ne connaissent pas vraiment la maladie, puisque c'est tabou pour eux. Donc aujourd'hui, ils ont eu des renseignements avec les spécialistes. Et puis vous voyez, il y avait quand même dans la foule pas mal de personnes qui avaient des petits soucis, qui ont profité pour pouvoir discuter avec les spécialistes et prendre aussi des coordonnées. Une semaine durant laquelle la collectivité aura à cœur d'informer et de sensibiliser la population sur les maux auxquels sont confrontés les seniors. La dépression est fréquente, mais très souvent ignorée et pas diagnostiquée parce qu'elle est taboue et méconnue. Les signes, surtout chez la personne âgée, sont très frustrants. Ce sont des plaintes, parfois juste des malaises, parfois une perte d'autonomie. Il n'y a pas que la tristesse de l'humeur et les pleurs. Donc c'est très important d'aborder ce sujet dès qu'on sent qu'une personne âgée n'est plus la même et est en difficulté pour pouvoir justement la traiter et l'accompagner. Semaine bleue s'achèvera samedi 13 octobre avec une marche rose sur le site de Pointe-à-Bacchus en partenariat avec la Ligue contre le cancer.